Gestion team et bim, transition, on est parti. C'est moi, Anne-Sylph, Bakou pour les intimes. On est présent à l'Extra Life Café pour l'épisode 15. Alors moi je pensais qu'on était à l'épisode 16, non, parce qu'à la Cheflan édition, c'était la Cheflan édition. Donc voilà, ici on est à l'épisode 15 seulement. Alors que voilà, on va avoir, je pense, Twitch versus Falco, Falco écarlate. Et bien bon, ce sera un fox de type orange. Comment elle s'appelle déjà cette couleur? On dirait du rouge, mais c'est du orange. J'ai oublié. J'ai créé une couleur, c'est assez particulier. Mais bref, pour l'instant, ça se chauffe tranquillement. Donc, j'ai tendance à papoter un petit peu du tournoi de ce soir. Voilà, hein, le mois d'avril a été très, très chargé en tournoi. Et le mois de mai s'annonce pas tant moins chargé que ça au final, puisque aujourd'hui on est présent à l'Extra Life Café et la semaine prochaine on sera également présent au Player One pour le Melee Pression 5. En tout cas, vous pouvez voir, hein, l'Extra Life Café c'est très chill. Donc, vous voyez les deux joueurs en train de se chauffer, puis derrière, bon, ben, voilà, ça passe, ça regarde un peu ce qui se passe également. La posance, comme on pourrait dire. En tout cas, partagez avec vos amis, dites-leur que vous regardez du Super Smash Bros. Melee en 2019 et même que vous regardez Melee HD, parce que Melee HD c'est maintenant, c'est là tout de suite. Allez, un petit peu de son, parce que ouais, en effet, il y a pas mal de moyens de réagir aux stimuli auditifs de ce que je pense mêler pour pas mal de choses. Donc voilà, jouer avec le son sur la télé, c'est quand même plus agréable. Et c'est donc ce que ces deux joueurs ont décidé de faire. Bon. On dirait que ça va enlever les rumbles par-ci, par-là, et... Ah oui, carrément, ouais. Ah oui, là, clairement, on peut pas faire plus stimuli auditif que ça. Limiter au maximum le son du jeu pour partir sur... Enfin, justement, maximiser les sons du jeu par rapport à la musique, c'est vraiment ça. Ça me plaît. Allez, en tout cas, c'est parti. Swan Kiwi contre Charlon. Bah, Swan Kiwi, on l'a vu hein, régulièrement. Tenir tête à Raoul, tenir tête à beaucoup de joueurs de la scène parisienne, vraiment la pitch de Swan Kiwi, elle se fait wave shine et elle se fait up smash la pitch de Swan Kiwi. Que dire de plus concrètement hein. En tout cas, c'est un très bon début de game pour Charlon qui prend une stock rapidement. Oh là 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 là, mais je croyais qu'il y avait que Raoul qui savait faire ça. Et ben non, Charlon aussi, il nous montre ce qu'il est capable de faire avec son Fox. Charlon, ne sous-estimez pas Charlon. Pour une fois qu'on a en stream, profitez donc. Alors qu'on a Atom 1 qui nous rejoint au commentaire. Alors Nara, c'est quand même la plus grosse des putes. Alors doucement avec votre langage. Excusez-moi. Première game, gros. On prend une stock. Je prends deux stocks. On reprend une stock. Je SD. Il me reste. Tu sais, genre à un moment, tu sais, je joue avec mes tripes. Short des wavelands de bâtard. Et puis bon. Marche pas. Bon alors là c'est Swan Kiwi contre Charlon. Vraiment, tu as raté la première stock que Charlon a pris Swan Kiwi. C'était vraiment très disruptif, très rapide. Je vais te permettre de le coup pendant ce temps. C'était sale quand même. Bon allez, Charlon qui va prendre la stock pour sur Swan. Ah non, Swan n'a rien, pas eu son dernier mot. Un truc que j'ai remarqué avec Swan la dernière fois que je l'ai vu jouer, c'était un Melee Pression. Il avait joué comme ça pourrait plus passer, mais je pense qu'un dernier est plus sympa. Voilà, c'est un monstre, c'est la stock. Un truc que j'avais remarqué, c'est qu'il joue avec certains patterns. Et dès qu'il a commencé à jouer contre Mackenzie, je crois, il s'est fait éclater. Parce qu'en fait, Mackenzie a juste vu son pattern. Je pense que c'est ça ce qui s'est passé. Mais après, bon, soit m'éclate. Hein. Pas de... voilà, pas de soucis. Ça l'a mérité. Et voilà. Ah, j'ai vraiment le seum contre Nara, gros. Oh là là. Je le mangeais son puff. Et c'est la première game prise par Charlon. Charlon, il joue plus combien de temps en vrai? Bon bah ça c'est fait. Extrêmement longtemps puisque... Ah ouais. Voilà.
vraiment régulièrement, je l'ai vu. Et la première stock qui est prise, mais oui. Ah bah Fox Privilège sur NDLC. Hein. C'est rare. Oh là là, la saleté. Ah. Dans une quite connect The Edge Guard. Charmé là. C'est qui? En fait. Mais déjà en semise. Mais ouais. De toute façon j'aurais pu aller en finale, tout le monde le sait, mais bon, j'ai juste troll, c'est tout. J'ai juste SD. Je suis éclaté, ça m'énerve. Elle est le upper qui passe et c'est le qui. Est-ce que le upper fait plus de dégâts sur NTSC, je suppose. Le up smash, ouais. Il a fait un ata, mais bon, c'est passé. Ça fait quand même plusieurs stocks qui lui prend comme ça. Là, il est quand même à 53%, c'est... Ah, c'est la panique. C'est la panique, c'est le bambouge le total. Bambouge le total pour Swan. Swan le kiwi. Swan l'ananas, comme on l'appelle. Est-ce que tu... Parce que Swan Kiwi a pris le pseudo Swan Kiwi pour Peach. Ou alors, il prend le costume vert spécial de Peach parce qu'il s'appelle Swan Kiwi. C'est la question. Oh, le dance flash aurait peut-être pu passer. Ah, là, c'est la stock. Là, ça, là, mon dieu. C'est très, très sale. Putain, mais c'était exclusif. Mon dieu. Mon dieu. Oh, mon dieu. Donc là, c'est Nesty Raoul, du coup. Oh, vous voyez, hein, des cheveux qui se dressent. Oh.